Salut, salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi, création d'équipe, DCE Live avec le défi échauffement FIFA World Cup 3. On va faire aussi le renfort connexion quotidien, vous connaissez, 11 joueurs bronze. Si vous achetez tous les joueurs, ça vous coûte 2200, mais il faut les faire les amis, parce que vous avez des objectifs avec ces DCE là. Donc on va parler du défi échauffement FIFA World Cup 3. Pour ce défi là, il fallait 3 joueurs premier détenteur. Donc déjà les amis, 3 joueurs premier détenteur, faites attention, c'est 3 joueurs que vous avez packés qui est déjà dans votre club. Vous voyez quand vous faites le petit du coup de joystick droit, vous voyez il y a un petit 1 en bas de la carte, là aussi et là aussi. Ça veut dire que c'est des premiers détenteurs. Donc les amis, il en faut 3. Honnêtement, je l'ai rarement fait, mais je me suis dit pourquoi pas faire avec des Sud-Américains. Et honnêtement, 600 crédits max par joueur. Donc il y en a 10, ça fait 6000. Sachant que lui, par exemple, je vais payer 400. Lui, je crois que je ne vais pas payer. Voilà, j'ai payé 450. Et après les autres, ouais, je les ai payés 600. Mais quoi qu'il arrive, ça reste plus que correct. Vraiment. Il faut donc 5 pays différents. Donc ça, c'est très bien dans le championnat. Il y a des Paraguayens, Uruguayens, Péruviens, Chiliens, Colombiens, Argentins. Enfin bref, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il faut 10 joueurs rares. Donc les amis, 10 joueurs rares. Tous les joueurs de Sud-Americana sont rares. Comme ça au moins, vous êtes tranquille. Là c'est pareil, vous n'avez pas à chercher midi à 14h. Un collectif à 27. Avec le collectif à 27, moi j'ai 2 joueurs au mauvais poste. Vous voyez, j'ai lui et après j'ai acheté un joueur à 200. Donc ce défi-là coûte 6200 crédits, environ. Franchement, il coûte même moins en spammant bien. Et vous voyez, j'ai une note à 74, il faut une note à 70. Mais vous allez voir que si vous mettez en Sud-Americana, hop, championnat Sud-Americana, on va prendre par exemple le poste de BU, vous allez voir que à 600, vous voyez, ça c'est tous les joueurs hors, on va dire, il y a 550, il n'y en a pas. Donc, au final, pas besoin de se prendre la tête. Donc, je vais vous donner les noms des joueurs. C'est parti, les amis. On commence avec Thiago Cardoso, Alan Nunes, Horacio Calcaterra, Paolo Diaz, Franck Fabra, Enzo Perez, Alan Varela, Alejandro Silva, Anthony Mukulko, Walter Bou, et on termine avec Miguel Borja. Donc les amis, pour ce défi là, moi j'ai pris les joueurs de Libertadores parce que j'en avais déjà 3 dans les premiers détenteurs. Si jamais il vous en faut au moins un, si vraiment vous voulez partir sur la Libertadores, il vous en faut un et au bon poste. Sinon, vous devez faire ça avec un autre championnat. Je vous explique pourquoi un, parce qu'il suffit que vous en mettez un, on va dire, j'en sais rien, c'est lui votre premier détenteur, vous pouvez vous permettre de mettre 2 autres joueurs premier détenteur au mauvais poste. Par exemple, lui et lui. Et après, acheter tous les autres au bon poste. Et vous aurez le collectif à 27. Voilà. Allez, on soumet l'équipe. On récupère un pack or. On va aller ouvrir le pack or également. La vidéo du renfort héros arrivera dans la soirée. Je pense pas qu'elle arrive de suite. Je vais commencer à la préparer, mais voilà. Je pense pas qu'elle sorte de suite. Je vous préviens. Mais elle sortira ce soir, ne vous inquiétez pas. On se fait donc le pack or. On n'a rien. Donc on skip. PP. On envoie ça au club. Et on fait le pack or rare qui est vendable, les amis. C'est à noter. Le pack or est vendable. Pack or rare, pardon, est vendable. On a une petite animation. Français MC. C'est Thomas Lemar 83. On a. Hop, on va dégager ça, 2 piliers, c'est cool, ça c'est bien aussi, pas contre on s'en branle un peu. Et lui, est-ce qu'il a augmenté un peu ou pas? Oui, ça commence à augmenter. C'est merci le renfort héros. Est-ce qu'on a, bon, on va s'ouvrir ça et après on se fera le pack d'aperçu et on va se quitter là-dessus. Allez, c'est parti, pack en promo, c'est quoi? Pack joueur premier mort, on s'en branle. Allez, on se fait le pack de prévisualisation. On n'a rien, tout simplement.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.